il y a les éditions Perrin qui ont fait paraître une biographie d'un type qui m'a toujours une tête à claque. Enfin, je sais pas, ce type, je comprends pas qu'on l'ait pas fusillé. Pour moi, dans ma mythologie personnelle de la Seconde Guerre mondiale, c'est pas possible. Je veux dire, c'est pas possible, ce type. Ce type, c'est le généralissime de l'armée française pendant la Seconde Guerre mondiale, enfin au début, qui s'appelle Gamelin. C'est de Max Schiavon. Ça s'appelle La tragédie de l'ambition, c'est chez Perrin. Alors j'ai vraiment découvert qui était cet homme. Alors je pensais que c'était un neuneu, pas du tout, il est brillantissime. Vous allez découvrir comment cet homme va conduire l'armée française. C'est une catastrophe, enfin, il n'est pas le seul, faut reconnaître. Mais comment les rouages, vous allez découvrir le personnage, la psychologie du personnage qui est vraiment très très important, l'ambition du personnage, comment le système va utiliser ce personnage, comment il va s'en tirer, ça c'est absolument incroyable. Il n'est pas remonté dans mon estime, hein, c'est clair, mais vous comprenez, en fait, c'était défaite, entre autres, parce que c'est le personnage, mais avec tout ce qu'il y a autour. Et je trouve que c'est... moi, ça m'a permis de casser un peu toutes les... la caricature et les clichés que j'avais sur cet homme. Puis en plus, c'était qu'une silhouette, c'est-à-dire qu'on voyait en se disant, c'est un crétin qu'on a mis là et qui ne se rend pas compte et qui... Voilà, vous allez lisez ça, c'est vraiment une grande découverte. Et pour ceux qui aiment la Seconde Guerre mondiale et l'histoire... Vous allez comprendre beaucoup de choses. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner.